club de formation, le premier club dans lequel j'ai commencé à penser au foot professionnel, puisque je suis arrivé au Girondin moi, à l'âge de 14 ans. Et je suis resté 6 ans dans un cadre, on va dire, centre de formation, sport-études, et ensuite 6 ans professionnel. Donc toute cette première période de la vie d'un footballeur professionnel qui est si importante, la formation, la découverte du haut niveau, les premiers matchs en première division, les matchs en troisième division aussi, le centre de formation. C'est au Girondin que j'ai découvert tout ça et forcément c'est un club qui est pour moi très très important. Les deux premières années ont été difficiles, de 14 à 16 ans, tel point qu'il y a eu des petits soucis avec un entraîneur en particulier qui pensait que j'avais pas le niveau pour devenir footballeur professionnel. On a évoqué à un moment donné un départ pour Pau. Et puis finalement, de par l'appui de Pierre Labatte, Dante Mladenić et probablement aussi d'autres dirigeants ou entraîneurs influents dans le club, ils ont décidé de me garder pour voir. Et c'est à partir de cette troisième année que j'ai eu le déclic et que j'ai pu exploiter tout mon potentiel. Quand tu as 14 ans, que tu quittes... Ça me fait rire maintenant, quitter le Pays Basque, c'est 200 km pour venir à Bordeaux. Parce que pour moi, aujourd'hui, je veux dire, le Sud-Ouest, c'est la même chose. Que tu sois à Bordeaux, que tu sois au Pays Basque, il y a vraiment de grosses similitudes. Et puis j'ai une vision beaucoup plus européenne des choses, donc ça me fait rire. Mais à l'époque, c'était déjà un voyage et l'adaptation n'a pas été facile. Mais on était plusieurs dans ce cas, il y avait des joueurs qui venaient du Béarn, des Landes, du Pays Basque, d'autres qui venaient de Bordeaux. Et donc il y a des liens qui se sont créés entre ces joueurs. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a une sélection qui se fait, il y a des joueurs qui sont des amis qui finalement quittent l'aventure parce qu'on a considéré qu'ils n'avaient pas le niveau, parce que les blessures les en ont empêchés. Et puis toi, bah, tu continues ton parcours et tu avances petit pas par petit pas. Et ouais, c'est une rude école de la vie parce que forcément il y a des éliminations et c'est vrai qu'il y a des moments assez douloureux. C'était assez étonnant en fait quand j'allais au stade. C'était tellement impressionnant que je pensais que je pouvais pas y arriver. Espèce de vision quand tu es spectateur et que tu vois les professionnels. Puis bon, il y avait un tel respect pour les professionnels, quoi. C'était vraiment quelque chose, on avait la chance de s'entraîner à côté d'eux. Les voir jouer, ça paraissait inaccessible. Voilà, c'est devenu accessible à partir du moment où je me suis retrouvé pour la première fois sur le terrain. Et là, sur le terrain, je me suis dit, mais ça se passe bien. C'est vrai qu'on parle souvent de cette histoire d'amour du maillot, mais s'il n'y a pas le respect dans les deux sens, ça ne peut pas fonctionner. Ça n'existe pas. Donc c'est vrai que moi j'ai eu la chance, en tout cas avec les Girondins, jusqu'à l'âge de 26 ans, d'avoir vraiment quelque chose de réciproque. Même si au moment de mon départ, il y a eu des choses un petit peu bizarres qui se sont passées. Mais c'est vrai que j'en garde un très très grand souvenir parce que bon, je pourrais jamais oublier que c'est grâce aux Girondins que j'ai pu démarrer mon premier match en professionnel. Je crois que ça, c'est marqué dans la vie d'un joueur, d'un footballeur professionnel. C'est marqué, c'est quelque chose de très très fort. À cette époque-là, je jouais attaquant. C'était avec Aimé Jacquet et j'étais rentré, je crois, en deuxième mi-temps, il me semble. Enfin, voilà, et le souvenir que j'en garde, j'avais une occasion. Une occasion sur un centre côté gauche et je crois que j'avais un peu trop décroisé ma frappe. Un petit peu plus tard, Didier Couécou a repris l'entraînement de l'équipe et m'a positionné arrière-gauche. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à jouer vraiment titulaire et à enchaîner les matchs. Et j'ai découvert une nouvelle carrière au poste d'arrière-gauche puisque bon, au départ, j'ai fait toute ma formation moi, en tant qu'attaquant au milieu de terrain offensif. Donc ça a été un changement assez important. Les matchs, je fais des bons matchs,
t'es un petit peu surpris, mais après tout, tu te poses pas de questions. Et puis t'en fais un autre. Et puis c'est vrai que j'avais été la révélation de la saison. On parlait déjà de moi en équipe de France, donc bon, tout ça allait un petit peu vite et j'avais suffisamment de recul pour prendre les choses de façon peut-être plus légère, parce que j'étais jeune et j'avais besoin de faire des matchs. Mais c'est vrai que c'était agréable de pouvoir démarrer comme ça et de se retrouver dans une équipe première du classement et de jouer le haut du tableau du championnat. C'était la folie dans le stade. Je pense pas que l'Escure se soit autant enflammé que sur ce match. Dans l'histoire de... Enfin, je sais plus comment elle s'appelle maintenant. Chaban-Delmas. Voilà, c'est Chaban-Delmas maintenant. À mon époque, c'était l'Escure, maintenant, c'est Chaban-Delmas. Non, je pense que ça a été vraiment un des gros, gros moments forts de l'Escure, de Chaban-Delmas, comme vous voulez. Et de vous? Et de votre carrière? Ouais, aussi, si ce n'est que c'était pas une victoire. Si je dois prendre les choses avec du recul, ce qui compte, c'est de gagner à la fin. Mais en termes d'émotion, ça a été une très très grosse émotion, parmi les plus grosses que j'ai pu avoir dans le football. On était très très jeunes encore. Moi j'avais 25, 26. Christophe et Ziz en avaient 24. Dans toutes les équipes, à un moment donné, on ressort des joueurs pour Duga et pour moi. Étant originaire du sud-ouest, ayant fait le centre de formation aux Girondins, c'était un petit peu normal. Zidane, de par déjà les prémices de son talent et ce qu'il avait réalisé sur cette saison, c'était aussi normal. Donc voilà pourquoi peut-être on a ressorti ces trois. On a eu la chance, avec 2 ans de décalage pour Duga, parce qu'il n'était pas de ma génération, mais de passer par les étapes du centre de formation des Girondins. De se retrouver à jouer dans un club qui nous a formés, donc forcément ça signifie beaucoup. Puis quelque part probablement aussi de donner de l'espoir aux mecs qui se trouvaient à cette époque-là au centre de formation, en se disant et si ça pouvait nous arriver à nous aussi, parce que c'est quand même vachement important pour le centre de formation qu'il y ait des joueurs qui se révèlent au plus haut niveau dans l'équipe première. Ça laisse de l'espoir. C'est important de rester dans un club, en tout cas dans son club formateur, s'il a la chance de t'offrir l'opportunité de jouer en équipe première. Ouais, d'y rester au moins jusqu'à 24 ans. Parce que cette période-là est vraiment très très importante pour la maturité du joueur, pour sa progression. Et donc moi j'ai eu la chance finalement de pouvoir progresser régulièrement en restant au Girondins, dans une ambiance dans laquelle je me sentais bien, avec des méthodes de travail aussi. Qui était intéressante pour moi. Et puis après, j'ai fait le grand saut à partir de l'âge de 26 ans, mais j'étais préparé à ça. C'était à la fois l'entraîneur, le père spirituel, le confident. Il nous a suivis dans toutes les étapes de notre parcours au Girondins. C'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde, profonde estime. On a plein de souvenirs en commun. À chaque fois qu'on avait des galères, que ce soit des galères sportives ou des galères affectives de nana, des galères à l'école, il était toujours là pour essayer d'arranger les choses, pour faire passer des messages, éventuellement faire passer des messages aux parents aussi. Et puis le travail technique avec Pierrot aussi, c'est quelque chose. Dès que je l'ai vu jouer, je me dis ce gars-là, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Mais comme je n'avais pas de recul ni quoi que ce soit, je le dis maintenant, mais je ne m'avançais pas trop à l'époque pour le dire. J'ai dit simplement, ce gars-là, il a des qualités, disons, que je n'avais jamais vues. Quoi. En vivacité, en rapidité. Il a lié quand même vivacité, rapidité avec puissance. Des matchs, des victoires, le Milan AC par exemple, des joueurs, des amis, que ce soit des joueurs ou sinon aussi des gens de l'encadrement,
Et puis bon, une région aussi que j'ai appris à découvrir et une ville que j'aime beaucoup.